Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première étape de notre salle rose ancienne. Voilà, la date de départ a été un petit peu décalée car j'ai eu un certain nombre de commandes assez nombreuses, donc il a fallu que je m'active beaucoup pour pouvoir les expédier, et dans la mesure où j'avais peur que tout le monde n'ait pas ses fournitures pour démarrer, j'ai préféré décaler la date de démarrage de ce salle. Donc je me présente en quelques mots pour les personnes qui arriveraient donc en cours de route et qui ne me connaissent pas encore. Moi je suis coloriste, je travaille à mon compte, je suis toute seule pour travailler dans ma petite boutique qui s'appelle Un Petit Fil. Je fais des teintures de fil, de ruban, de dentelle, de croquet pour vos broderies, mais aussi je crée des kits complets, des modèles à broder pour vos ouvrages de broderie. Donc là, dans le cadre dans lequel je vous retrouve aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un sal, c'est-à-dire un stitch long, c'est-à-dire qu'on est plusieurs personnes à broder un même projet. C'est pas la première salle que je mène, j'ai déjà fait donc d'autres salles, le Cozy Winter, la Forêt d'hiver, le Noël de brodeuse, et puis un modèle aussi de printemps. Donc c'est pas la première fois que je mène un sal, et c'est vrai que je suis contente parce que d'une fois sur l'autre, je suis contente de vous retrouver. On se retrouve tout ensemble et tous, parce qu'il y a aussi quelques hommes qui ont l'habitude de nous accompagner dans cette aventure. Et donc là, on est vraiment au tout début du projet. Donc bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Et juste pour poser un peu les choses, moi je propose bien sûr des packs ou des palettes pour réaliser ces ouvrages que je vais vous proposer en trois étapes, puisqu'il y a trois objets à réaliser, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser mes fournitures, puisque vous pouvez très bien choisir dans votre stock ce dont vous avez besoin pour faire ces objets que je vais vous proposer. Donc il vous faut de la toile à broder, bien sûr, deux couleurs de fil, une couleur verte et puis après une couleur pour les roses qui va être en fonction de vos choix. Ça peut être d'autres couleurs que rose. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et vous pouvez nous accompagner à votre rythme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de montrer ce que vous avez fait pour la première étape. Par exemple, pour que je vous donne la deuxième étape, vous allez pouvoir télécharger de manière totalement libre les grilles et les explications que je donnerai tout au long de ce sal, en sachant que les dates ont un peu changé, puisque la première partie que je devais vous donner vendredi dernier, j'ai préféré la décaler à mercredi, donc aujourd'hui, parce que d'abord je vous remercie beaucoup, j'ai eu beaucoup de commandes et je suis très contente que vous me fassiez confiance encore sur cette aventure, mais du coup j'avais peur que tout le monde n'ait pas reçu à temps ses fournitures. Là ça y est, je suis à jour. Enfin, je suis à jour. Après, les personnes qui veulent commander maintenant, elles peuvent encore commander. Mais toutes les personnes qui avaient commandé vraiment dans les temps pour avoir les fournitures dans les délais pour démarrer, alors j'avais peur de ne pas être dans les temps pour leur envoyer. Donc, on a décalé la date. Mais il n'y a rien de méchant là-dedans. On a décalé de 5 jours. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Ce n'est pas énorme. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Soit sur le groupe Facebook qui s'appelle Salle Rose Ancienne. Dans ce cas-là, il vous faudra donc, puisque c'est un groupe privé, il vous faudra donc rejoindre le groupe et en acceptant les règles du groupe. C'est-à-dire il va falloir que vous acceptiez les règles de... je vous laisserai en prendre connaissance, je ne vais pas refaire un topo là-dessus. Éventuellement, reprenez peut-être la première vidéo où je lançais un petit peu, où j'expliquais un petit peu l'état d'esprit du projet, pour que j'ai pas à répéter là toutes les règles, ça sert à rien que je vous répète ça plusieurs fois. Donc soit vous pouvez suivre sur le groupe Facebook, soit vous pouvez aussi bien télécharger donc mes grilles.
sur mon blog Overblog, un petit fil overblog.com. Toutes les références sont en barre de description, donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour avoir tous les liens nécessaires, y compris les liens pour avoir les produits si vous voulez le faire avec mes produits de la boutique en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, première étape, je vous montre l'objet à réaliser. Donc il s'agit d'un petit marque-page. Donc moi j'ai fait les finitions, vous voyez, recto verso. Vous avez des points arrière tout autour de chaque grille qui vont vous permettre ensuite de faire un point de surjet et d'assembler les deux faces l'une à l'autre. Et en même temps, on va poser quelques petites perles qui sont contenues aussi dans la palette que je vous propose en ligne. Sachant que à la fin de la vidéo, d'habitude, je mets toujours une petite vidéo tutoriel pour faire l'explication des finitions. Là, je vais réserver, je l'ai déjà faite cette vidéo, mais je préfère vous la donner un petit peu plus tard, qu'on avance un peu dans le projet, parce que comme il y a trois objets à faire, il va y avoir plusieurs finitions à effectuer, pardon. Donc dans la mesure du possible, j'aimerais pouvoir grouper toutes ces finitions pour ne faire qu'une seule vidéo. Donc dans un premier temps, je vous montre ce petit marque-page. Il est tout simple, hein. À l'intérieur, je n'ai pas ajouté de watts ni de, comment ça s'appelle, pour thermocoller, là, pour que ce soit un petit peu plus rigide. C'est pas nécessaire parce que la toile en elle-même, elle est déjà assez rigide. Donc moi, je l'ai fait sur une toile 16 fils avec deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Ici, ce que vous voyez qui brille, ce ne sont pas des perles, c'est le fil argenté qui est aussi sur la palette. Donc j'en profite pour vous parler de ce fil. Pour les personnes qui vont broder avec le fil qui est contenu sur la palette, enfin les fils qui sont contenus sur la palette. Donc je vous montre, hein, c'est un fil en argent qui est assez fin. Mais par contre, j'ai fait plusieurs essais, j'ai pris plusieurs fils pour voir ce qui était le plus pratique, et pour moi c'est le fil que je préfère. Mais sachez que comme tous les fils métallisés, et ça vous êtes au courant parce que vous en avez sûrement déjà brodé beaucoup, eh bien il s'émousse vite. Donc je vous conseille vraiment de ne broder que par des petites aiguillées de maximum 30 cm. Il vaut, donc dans la palette, il y a environ 10 mètres, mais prenez des petites aiguillées, il vaut mieux faire par petits bouts plutôt que d'avoir une grande aiguille. Après, vous allez perdre une grosse partie de votre fil, donc c'est pas nécessaire. Et puis, plutôt que de broder votre fil métallisé un peu à la façon d'une couturière, vous savez, là pour le coup, je propose plutôt de le broder en dessous, vous le tirez et puis vous le remontez, vous le passez au-dessus, vous le redescendez, vous passez en dessous, vous le remontez, vous passez au-dessus. Parce que si vous passez en double, eh ben, votre fil, il va avoir une double résistance. Et c'est vrai que moi j'ai fait les deux et j'ai trouvé que mon fil s'usait moins vite quand je passais en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. Quand vous faites ça, en fait, vous avez une double entrée du fil qui raccroche davantage. Bon, je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, mais je vous donne ce conseil-là pour éviter qu'il s'use trop vite. Par ailleurs, pour éviter de pénéloper, puisque ça nous arrive à toutes à un moment donné, de se rendre compte à la fin que, oups, le fil, la broderie, il manque quelque chose, il faut recommencer. Moi, je vous conseille de mettre le fil argenté ou doré, enfin ce que vous aurez choisi, le fil métallisé vraiment à la fin. Voilà. Donc, ce ne sont que des suggestions, mais faites d'abord toute la partie broderie et ensuite seulement vous pourrez ajouter le fil métallisé. Donc, voilà, deux faces. Alors, vous allez retrouver sur mon site, sur Facebook ou sur mon blog, un fichier PDF
que vous allez pouvoir soit conserver sur vos tablettes et vos téléphones sans l'imprimer, c'est pas forcément nécessaire, parce que là vous avez toute une partie d'explication qui n'est pas forcément nécessaire d'imprimer. Alors la première page, je vous explique donc qu'il y a deux versions à mon salle. Soit vous brodez avec une version, avec la version coton, que je vous ai présentée la semaine, enfin lors du lancement. Soit vous pouvez aussi broder avec une version soie. Alors la version soie, je l'ai préparée. Il m'a fallu du temps pour la mettre en ligne parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Donc je voulais d'abord traiter en priorité les commandes des packs de coton. Et ensuite, je me suis vraiment penchée sur la version soie. Parce que moins de monde, bien sûr, vont commander la version soie. Alors, je vous montre un petit peu comment elle est, la version soie. Vous avez le fil sapin qui est en soie, là. Vous avez 8 mètres. Au départ, j'avais mis 5 mètres. Mais j'en ai rajouté parce que il s'agit d'un modèle qui est fait en ce moment par Rebecca. Et Rebecca m'a signalé quand même qu'elle, elle le brode en 16 fils. Et la soie se brode avec un fil à l'aiguille sur deux fils de trame lorsqu'on travaille sur la 16 fils. Et avec 5 mètres, elle avait largement. Hein, il lui restait, je crois, un mètre complet. Mais même, oui, je crois que c'est ça. Mais par contre, sur la 14, on brode aussi en un fil à l'aiguille sur deux fils de trame parce que le fil de soie d'Alger que je teinte, hein, c'est pas un fil qui vient du verre à soie, enfin c'est un fil qui vient du verre à soie, mais c'est un fil que j'ai pris en couleur grège et ensuite je lui ai mis sa teinture. Hein, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Ce fil-là, il se divise en 7 brins. Donc c'est pas un gros fil comme ça que vous allez travailler, ça va être cette partie-là. Enfin, ça va être. Attendez. Voilà. Vous voyez? Donc là, on voit pas tous les 7 brins parce qu'il n'est pas bien décomposé, mais vous en avez 7. Donc, pour la version 12 fils, vous allez pouvoir broder deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Mais par contre, pour la version 14 fils, un fil seulement suffit. Pourquoi? Parce que, en fait, comme vous pouvez le voir sur... là, je vous ai montré. Le fil, il est quand même plus épais. Il est assez... je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vais pas réussir à faire le focus dessus, mais de toute façon vous le verrez quand vous allez l'avoir entre les mains, il est un petit peu plus épais que le fil coton mouliné. Donc le coton mouliné se divise en 6 brins, le fil de soie d'Alger se divise en 7 brins. Donc quand vous allez travailler avec deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame pour la version 12 fils, il va vous rester un brin à la fin de... Vous allez avoir 8 mètres complets de fil de soie d'Alger. Mais à chaque fois, comme c'est divisible par 7 brins, il vous restera un mètre. Donc dans ce cas-là, vous gardez bien ce mètre qui vous reste et vous l'associerez au mètre de l'autre, d'une autre longueur de fil. Puisque de toute façon, quand je fais les teintures de fil, elles sont toutes mises au niveau des séquences, ça va rester exactement identique. Donc vous allez les rapprocher l'un avec l'autre et vous allez pouvoir broder avec ces deux brins orphelins, les réunir et les utiliser pour faire une nouvelle aiguillée. J'espère que je suis assez claire. Donc pour l'étoile 16 fils et 14 fils, 5 mètres c'était suffisant. Mais pour l'étoile 12 fils, donc j'ai rajouté 3 mètres supplémentaires. Voilà. C'est la raison pour laquelle, bon, les premières personnes qui m'avaient commandé des palettes de fils de des palettes de la version soie, j'ai renvoyé 3 mètres aux personnes chez elles. S'il y a eu un oubli, n'hésitez pas à me le faire savoir, mais normalement j'avais conservé toutes les adresses. Donc normalement c'est chose faite.
Donc, vous avez sur la nouvelle palette, enfin sur la palette de soie, 8 mètres de fil sapin et 3 mètres de fil garden, qui c'est largement suffisant pour broder les roses. Donc, ce fil garden, vous voyez, il est plus doux que la version coton, tout simplement parce que la soie, quand on fait la teinture sur la soie, c'est une matière qui n'absorbe pas la couleur de la même façon et elle renvoie la lumière différemment. Donc voilà la raison pour laquelle votre fil est un petit peu différent. Donc Rebecca, je vais vous montrer là des photos de sa version. C'est très joli et je la remercie beaucoup parce que ça vous permet à vous de voir un petit peu le rendu et si ça vous tente de pouvoir essayer. Et donc sur la palette, vous avez aussi du fil de nylon pour pouvoir faire tout ce qui est couture façon biscornue qu'on fera à la fin. Et le fil en argent et le ruban de soie qu'on utilisera pour l'un des objets. Voilà, ça c'était pour la version soie. Il y a aussi les perles, l'aiguille à perles, donc perles de rocaille, des toupies, des perles à facettes et une perle en nacre. Donc la perle en nacre, et bien en l'occurrence, c'est celle qu'on va utiliser pour faire le montage qui se trouve là. Je vous montrerai donc, j'ai fait une vidéo pour vous indiquer la façon dont on met, la façon qu'on utilise pour mettre ces petites perles. C'est pas compliqué, mais bon, il y a des petites astuces, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo où je vous expliquerai tout ça au niveau définition. Voilà. Donc sur la première page de votre fichier PDF, j'explique un petit peu comment dire, les deux versions. Je vais vous donner aussi un plan de coupe. Alors, j'explique en fait que d'abord je vous donne les dimensions pour les différentes versions si vous travaillez sur vos petits marque-pages là. En fait, si vous travaillez sur la CS fil, ils vont faire 6 cm d'ici, 13 cm sur ce côté-là. Pour la version 14 fils, donc c'est 6,7 et 14,5. Et pour la version 12 fils, on est à 7,8, presque 8 cm. Et 16,8 en hauteur. Donc, j'ai bien sûr prévu un coupon de toile à broder et pour la facilité d'utilisation, moi je vous ai fait des coupons qui sont tout en longueur. Et bien sûr, j'ai envisagé de vous faire un plan de coupe. Donc sur la troisième page de ces explications en PDF, je vous ai fait les plans de coupe pour les trois tailles de toile. En 16 fils, 14 fils et 12 fils. Alors, sachant que j'ai mis sur la longueur de 70 cm le coupon, je vous ai fait les découpes des différentes parties. Ça, les deux pièces A et A', ce sont les deux faces du marque-page. Les pièces qui se trouvent ici, pour l'instant, vous ne vous en occupez pas. Ce seront les pièces qu'on va découper pour les deux autres objets. La raison pour laquelle j'ai fait un plan de coupe, c'est que je me suis dit que ce serait plus facile pour vous pour ne pas avoir de perte, pour éviter la perte de tissu, de savoir exactement à quel endroit vous découpez. En sachant que si vous voulez faire les mêmes finitions que moi, la marge de couture que je vous ai donnée sur le plan de coupe est largement suffisante. Puisque pour faire une couture façon biscornue, on n'a besoin que de quelques millimètres qu'on va rentrer pour assembler les faces l'une à l'autre. Donc on n'a pas besoin d'avoir 10 cm de chaque côté. Hein. Enfin là, je marque bien sûr, hein, c'est un peu exagéré, mais là, je crois que j'ai prévu 1,5 cm ou 2 cm autour. Donc par exemple, pour la 16 fils, vous avez un objet fini qui fait 6 cm de large et en hauteur qui fait 13 cm. Sur le coupon de toile à broder qui fait 20 cm de hauteur,
vous allez couper deux pièces de 11 cm. Vous voyez, ça va vous laisser donc de 6 cm, ça sera la broderie terminée. Vous avez donc de chaque côté 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça vous fait 5 cm. Donc ça fait 2 cm et demi de chaque côté pour avoir la marge nécessaire. Ce qui est plus que largement. Par contre, j'ai fait un peu large parce que il va falloir broder en centrant sur votre petit coupon. Il va falloir broder les deux faces en les centrant pour avoir de chaque côté 2,5 cm. Alors soit vous partez du haut ou du côté et vous comptez 2 cm, allez, pour être large. Et vous faites vous brodez d'abord le cadre. Soit si vous n'êtes pas sûr de vous et vous avez peur de vous tromper au niveau des calculs, bon, je sais que c'est pas évident de calculer, hein, mais je l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo. C'est pas compliqué, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, ben c'est simple, hein, soit vous commencez à broder ça, puis franchement vous n'en avez pas pour longtemps. Si vraiment vous êtes trompé, ben vous défaites, hein, c'est pas grave. Soit vous commencez par le centre, donc vous allez démarrer par là. Alors ici il n'y a pas de centre, donc c'est pas grave, hein, vous allez vous fier à la première broderie que vous avez faite, et puis il suffira juste que vous reportiez l'une contre l'autre, et puis vous verrez bien où vous en êtes. Enfin, je veux dire, après, avec un peu de bon sens, vous allez forcément y arriver. Faites d'abord cette face-là en premier, ça sera plus facile. Comme ça, vous pourrez déterminer le centre si vous avez besoin. Et ensuite, seulement, comme ça, vous pourrez faire la deuxième. Voilà, donc vous voyez le plan de coupe, il est différent en fonction de la taille de votre toile. Si par exemple, vous avez choisi la 14 fils, vous allez couper deux petits rectangles de 12, je crois. 12 et 12, et puis pareil pour la 12 fils. Voilà, donc pour l'instant, on s'occupe que de cette partie-là des plans de coupe. Et donc la dernière page, ce sont les gris que je vous ai... que je vous ai préparé. Donc vous pouvez bien sûr les télécharger. Donc là vous avez la légende, hein, pour pouvoir. L'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fil à changer, hein. Du coup vous avez donc deux couleurs de fil. Après, si vous choisissez des fils de votre stock, vous pouvez aussi changer vos couleurs et imaginer de faire des roses de plusieurs couleurs si vous voulez. Voilà, donc vous avez les flèches qui vous indiquent le centre du travail, hein. Donc en priori vous allez démarrer par ici. Voilà pour le premier objet, je pense que je vous ai tout dit. Pour la version coton, il est préconisé de broder avec un fil à l'aiguille sur deux fils de trame pour la 16 fils. Pour la 12 fils, vous travaillez avec deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Pour celles qui veulent vraiment faire quelque chose de petit, mais là pour le coup ça sera un tout petit marque-page, donc je ne sais pas si c'est vraiment... Mais vous pouvez détourner l'utilisation de cette broderie, hein. Vous pouvez en faire autre chose, vous pouvez mettre ça dans des tout petits cadres, ça serait joli aussi, des petites miniatures pour poser sur un petit un chevalet, ou... Enfin, il y a plein d'idées, hein. Il y a franchement beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. J'étais en train de dire le nombre de fils à l'aiguille. Pour la 14 fils, vous prenez soit un fil, soit deux fils à l'aiguille. Moi, personnellement, je prends souvent un seul fil quand les teintes sont assez saturées, ce qui est le cas des fils sapin et garden. Le fait de broder en deux fils, ça va donner un petit peu d'épaisseur, un peu de relief. Moi en tous les cas, quand c'est blanc ou clair, je travaille toujours avec deux fils à l'aiguille sur la toile 14 fils. Quand c'est fort saturé, je fais des essais pour voir si je préfère deux ou un. À vous de faire vos essais et à vous de déterminer quelle est la version qui vous plaît le plus. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié de vous indiquer? Donc vous pouvez télécharger le fichier PDF sur le groupe Facebook. Sur mon blog Overblog, vous ne pourrez pas parce que je n'ai pas la possibilité
de télécharger des fichiers en format PDF, mais par contre, vous aurez les images. Donc après, vous faites un clic droit, enregistrer sous, et vous mettez ces photos, ces images que je vais vous faire passer par le blog. Vous les enregistrez et vous les mettez dans un fichier. Soit vous les conservez dans votre fichier et vous n'imprimez pas tout, soit vous après vous les transférez sur un document Word, OpenOffice, enfin que sais-je, hein, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, et puis vous les imprimez. Voilà, donc il n'y a pas de date vraiment limite, hein. Vous pouvez télécharger quand vous voulez, sauf que à la fin, lorsque le sale sera terminé, je récupère toutes les grilles et je vais vendre le modèle sur ma boutique en ligne comme j'ai l'habitude de faire pour tous mes sales. Donc, un petit récapitulatif des dates, puisqu'elles ont un peu changé, on décale toutes 5 jours. Avant, je faisais toujours, je donnais toujours mes étapes un mercredi, et ben on est revenu au mercredi. C'est rigolo, hein, comme quoi j'avais dit cette fois-ci on fera le vendredi, mais non, ça sera le mercredi. Donc la prochaine date pour le deuxième objet, ce sera le 4 octobre pour l'étape numéro 2, donc pour le second objet. Et pour l'étape suivante, donc le troisième objet, ça sera le 18 octobre. Donc je pense que lorsque j'en serai à la troisième étape, je vous ferai la vidéo groupée des montages. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est que on n'est pas pressé. Celles qui savent le faire, ben, elles peuvent très bien faire elles-mêmes, hein, sans avoir besoin de ma vidéo tuto pour raccorder, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour faire la petite couture, là, façon biscornue, où on relie les deux faces l'une à l'autre avec la petite couture qui va bien. Il y a beaucoup de brodeuses qui savent le faire déjà. Par contre, pour les personnes qui ont besoin d'aide, qui sont pas très sûres d'elles, n'ayez crainte, je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Elle est prête d'ailleurs, donc je vous la livrerai le moment venu. Voilà. Sinon, donc je vous ai expliqué comment broder la soie, je pense que j'ai rien oublié. Je profite de cette vidéo, mais pour peu de temps, je vous prends juste encore 2 secondes pour vous dire que je n'ai pas encore eu le temps. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu le temps de mettre les brèves. Donc ces fils éphémères que je vous ai proposés dans une précédente vidéo, je vous ai dit que j'allais sortir des brèves. Il s'agit de petits sachets, de fils que j'ai pensé, puisque ce sont des bains d'épuisement en fait, quand je fais certains fils, par exemple, j'ai décidé de faire par exemple une teinture de, je sais pas, hydrangea, et puis j'arrive à la fin de mon bain, mes fils sont trop clairs, ou bon, je sais pas, j'ai envie, tiens, d'un seul coup, de mélanger deux bains ensemble, ça me toque comme ça, moi, vous savez, ça me prend comme ça. Mais je ne vais pas pour autant en faire un fil qui va être pérennisé sur la boutique. Dans ce cas-là, je les propose en éphémère. Et ces éphémères, j'avais l'habitude de les vendre sur les salons. Parce que pour moi, c'était plus facile. Ça m'évitait d'avoir des ruptures de stock sur ma boutique en ligne. Et puis, ça faisait un produit supplémentaire que je proposais en salon. On m'a demandé, puisque les clientes que je vois en salon me disent, bah oui, mais c'est dommage qu'on puisse pas. C'était une bonne idée pour elles de faire ça. Donc j'ai fait des brèves. J'ai appelé ça des brèves. Ça veut dire que c'est bref, ça ne fait que passer. Donc les fils que je mets dans ces brèves ne seront bien sûr jamais identiques par définition, puisqu'ils sont éphémères. J'ai fait une version en 5 fils à 13,50 €. Donc là, c'est celle qui est disponible en ce moment. Et une version en 8 fils qui fait 22 €. Donc il y a un petit gain au niveau du prix des fils. Et je vais vous montrer par exemple les toutes dernières, enfin ceux que je vais mettre en ligne là, cette semaine. Enfin là, ils sont en ligne. Au moment où vous avez ma. Moi, je suis en train de préparer ma vidéo, on est lundi, mais je la publierai que mercredi, mais d'ici là, ça sera en ligne, donc vous pouvez y aller. Je vous montre un petit peu les couleurs. Donc il y a une couleur un peu, ils sont tous nuancés, hein. Soit ils sont en camailleux, c'est à dire qu'ils vont rester dans la même couleur mais avec des tonalités différentes, soit ils sont dégradés avec enfin ils sont
nuancer avec d'autres couleurs. Là par exemple, il y a un peu de gris, un peu de gris et une couleur légèrement caramel. Ça c'est un vert. Alors par contre, j'espère que vous avez bien les bonnes couleurs. Alors celui-ci, c'est un vert, enfin, on voit pas trop. Je trouve qu'on voit pas bien bien. Enfin, de toute façon, vous verrez, je vais vous faire des photos en plus là à côté. Parce que vous voyez, il y a la lumière, elle change en fonction. Voilà. Donc celui-ci, c'est un vert un peu d'eau, un vert d'eau. Celui-ci, je le trouve très joli. Il est un petit peu couleur bordeaux. Bordeaux avec un peu de marron dedans. Ah, celui-ci, il est beau aussi. Il y a un peu d'orange. Je l'ai appelé giroflée, celui-là. Enfin, je l'ai appelé. Il n'y aura pas de nom. Hein. Quand vous allez les avoir, les fils, il n'y a pas d'étiquette dessus. Parce que ça m'évite, si vous voulez. Le problème, c'est que si vous avez un nom dessus, si vous n'avez pas bien compris le principe et que vous me recontactez pour avoir le fil giroflé, mais moi, d'ici là, j'en aurai plus. Donc, il faut vraiment que vous ayez à l'idée que ces fils-là, si vous en prenez un pack comme ça, il faudra faire avec ce que vous avez dans le pack, mais vous ne les retrouverez pas en boutique. Donc, il ne faut pas faire des gros projets avec. Celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un joli vert. J'aimerais bien me le refaire, celui-là, mais j'ai plus la recette. Donc, bon, j'arriverai bien à refaire un jour, je pense. Et puis, celui-ci qui est jaune. Ça, c'est pour la version 8 fils. Celui-ci, c'est un bain d'épuisement d'hydrangea. Et sur fil blanc en plus, il n'est pas sur fil écru. Voilà. Donc, je les ai mis en ligne. Vous pouvez aller les chercher. Je n'ai pas beaucoup de packs hein, parce que j'en ai trois packs. J'ai trois lots de brèves en 8 fils et j'ai 5 lots de chaque. 5 lots de chaque. J'en garde aussi un peu pour les salons. Donc le prochain salon, c'est Compiègne. Le salon aura lieu du 7 au 6, 7, 8 ou 7, 8, 9 octobre. Bon, je vous mets là la fiche pour que vous puissiez revoir les dates bien comme il faut. Et sur ce salon, ben, j'aurai des packs, des palettes, des brèves, tous les fils comme d'habitude. Il y a juste une chose que je ne prendrai pas, ce sont mes fils, les fils perlés. Donc si vous en voulez, vous m'envoyez un petit message. Mon adresse mail, c'est unpetitfil@gmail.com. Soit vous faites votre commande et je vous la prépare et je vous la ramène au festival. Il y a très peu de place, c'est vraiment le festival de Compiègne. On a un tout petit stand, donc j'ai beaucoup trop de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des perlés, j'en vends moins. Donc, je ne prends pas mes packs de fils perlés, ni mes spéciales dentelles. C'est un produit que je suis en train d'arrêter. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'envoyer un message ou alors passer votre commande et vous sélectionnez chèque. Et moi, bien sûr, quand je vous verrai, on fera le règlement ensemble, je déduirai les frais de livraison, c'est une possibilité pour vous. Voilà, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou pour qu'on puisse s'organiser. Voilà, mais écoutez, je suis contente de vous avoir retrouvé, je suis très contente de vous avoir donné cette première étape parce que ben, je vois que ça vous fait plaisir, que vous êtes enthousiaste à l'idée de faire ce projet-là avec moi. Et puis avec tous les autres, parce que c'est ça l'intérêt aussi du SAL, c'est qu'on est tous ensemble et qu'on s'apporte mutuellement beaucoup de choses. Donc je sais que vous avez hâte de démarrer, je vous donne le top départ et puis ben, dans 15 jours, je vous retrouve pour vous donner le prochain objet. Et puis encore un grand merci, vraiment un grand merci pour votre confiance. Et je vous dis bonne semaine, bonne continuation. Et puis à très bientôt, alors soit à Compiègne, soit au festival de Kutzenhausen en Alsace à la fin du mois d'octobre, soit en boutique. Merci beaucoup, à très très bientôt, au revoir.